Dites-le si je vous ennuie. Dites-le si je vous ennuie. Je ne vous décevrai pas. Bien. Vous devez commencer par vous intégrer en douceur, faire le tour du prix d'Ouai. Puisque je suis officiellement votre mentor, je vous conseille de me laisser vous accompagner. Mm-hmm. Ça me va? Formidable. Nick. On reprend la route. On repart en chasse, Lady Winter. Je veux juste échanger quelques trucs. Bien sûr. Eh ben, intéressant. Ça doit rajeunir. Et toujours un truc en plus.
Voulez-vous que je me poste ? Je cherche ce dirigeable depuis des années. C'est le seul foyer que je connaisse. J'espère que la prochaine équipe de récupération rapportera du matériel correct. Faut faire preuve de créativité ces temps-ci. Là, laissez maintenant. Rien. J'étais censé faire mon rapport il y a 10 minutes. Si tu ne peux pas la réparer... Mais la prochaine fois, évite peut-être de te frayer un chemin à coups de pied au milieu des fangeux. C'est bon. Parfait. Pour ne pas mourir de faim, merci. Emportez toujours de la nourriture, si vous ne voulez pas avoir à manger des trucs douteux. Faites attention quand vous êtes sur le pont d'envol. La terre est basse. Rejoindre notre cause est la meilleure décision que vous ayez prise de votre vie.
C'est bon. Approchez, chevalier. J'ai beau être enfermé dans cette maudite cage, je vous promets que je ne mords pas. Pardon. Si vous en avez besoin, vous trouverez un abri et des provisions au commissariat de Cambridge. Remerciez le connétable Ingram de ma part pour m'avoir permis d'employer vos services. J'aurais jamais dû manger ce râteau pas la broche. Excusez-moi. Pourquoi vous encombrez-vous de ces babioles ? Scribe Neraya. Vous pouvez observer les spécimens, mais ne touchez à rien. Je refuse d'être tenu pour responsable si vous veniez à vous blesser. C'est une sacrée... Merci.
La plupart des gens sont incapables de comprendre l'important. Je suis à deux doigts de découvrir comment l'organisme de ces créatures s'est adapté aux radiations qui se sont infiltrées. Si je parviens à décrypter le code, je pourrais équiper nos troupes d'un agent protecteur bien... Ce serait formidable. Enfin, j'en suis toujours. Voyez-vous, les radiations résultant de la Grande Guerre sont mortelles parce qu'elles affectent la plupart des êtres vivants au niveau cellulaire. Toutefois, après plusieurs générations, l'organisme de ces créatures a réussi à s'adapter en altérant leur constitution génétique afin d'empêcher la distorsion de leurs cellules. Et je pense avoir découvert comment répliquer cette restructuration génétique en l'accélérant. Au lieu de plusieurs dizaines d'années, il ne faudra plus que quelques instants. Ça me plaît. Si vous avez besoin d'aide... Je vous remercie. Mais malheureusement, les spécimens que j'ai capturés ne produisent pas suffisamment de sang et de matériaux génétiques pour mes expériences. Si j'en prélevais trop, je les tuerais. Il me faudrait donc d'autres échantillons de sang prélevés sur les créatures du Commonwealth. Aucun problème. J'apprécie la confiance que... Ok. J'ai modifié votre Pip-Boy pour qu'il puisse analyser la dépouille de toute créature. Vous n'aurez qu'à récupérer les échantillons viables et me les apporter. Je vous remercie vraiment pour l'aide que vous me proposez. C'est agréable de voir que je ne suis pas la seule à avoir l'esprit où... Pas maintenant. Je dois nettoyer mes bottes. Elles sont couvertes de merde de fangeux. La libération du Commonwealth, c'est une énorme responsabilité. Mais on y arrivera. Une véritable mine de technologie attend d'être découverte par ici. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Nous sommes là pour sauver le Commonwealth. Maxson peut sembler doté d'une grande compassion, mais je peux vous assurer que l'Institut va connaître son courroux. Il paraît que l'aîné Maxson a reçu sa balafre en se battant seul contre un écorcheur. Vous m'apportez des échantillons de sang, chevalier ? Oh, dites quelque chose à la fin. Vous m'empêchez de me concentrer sur mes expériences, vous savez. J'ai du travail, soldat. C'est une plaisanterie. J'ignore de quoi il peut bien s'agir. Alors, est-ce que vous en avez...
n'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. N'oubliez jamais que vous êtes les yeux et les oreilles de la confrérie. Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, signalez-le immédiatement. Souvenez-vous que nous sommes au territoire ennemi. À votre place, je n'y toucherai pas. Le connétable Ingram a dit que cette arme devait être testée. Oui, je sais, mais... Et si je rate ? On va essayer. Attention, je tire. Excusez-moi. Croyez dans mon expérience. Les inconscients et les grandes gueules finissent bien souvent entre quatre planches de bois. Attention, je tire. Journal personnel, entrée 142. Synthétique qui ressemble à la vie sur le Pridwen, c'est bien gentil. Mais j'ai hâte de retourner sur le terrain. D'accord, les recherches qu'on mène ici sont passionnantes. Mais à part ça, c'est un vrai cauchemar. Je suis coincée dans ce cigare volant 18 heures par jour, et je n'arrive toujours pas à savoir qui sent le plus mauvais. Les soldats ou les rats-taupes. Et puis, il faut entendre les conversations entre les soldats du rang. Ils feraient presque passer les mutants pour des intellectuels. J'en touche deux mots au connétable Quinlan. Je parie que les scribes de terrain s'en sortent beaucoup mieux. Personnellement, je préfère les armes laser. C'est plus propre. Et j'adore cette odeur rose et ses caractéristiques qui passent la détente. Pensez toujours à mettre une autre balle dans la tête de votre cible. Content de vous voir enfin, soldat. On peut commencer votre examen médical ? D'accord, allez. Très bien. Mmh. Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé et je vous demanderai d'y... Première question. Lorsque vous étiez enfant, avez-vous subi une exposition prolongée aux radiations ? Vous vous sentez bien, soldat ? Il n'y avait pas trop de radiation. Avant les bombes ? Que voulez-vous dire ? Vous avez vécu. Dans ce cas, vous êtes sûrement en meilleure santé. Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre... Bien. Deuxième. Avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ? J'ai jamais été gravement malade. Bien. Bien. Troisième question. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non, jamais. Très bien. Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie, qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains ? Quand ma vie est en danger, je fais... C'est une réponse acceptable. Ok. Excellent. Je pense avoir... Je ne vois aucune raison de vous empêcher. Si jamais vous avez besoin d'assistance... Capitaine Cade ? Ravi de vous revoir, chevalier. Vous avez besoin de mon aide. Oui. Eh bien, pour remédier à ce problème... Rien d'autre à signer. Très bien.
Veuillez décliner la nature de l'urgence médicale. Excusez-moi. C'est le connétable Ingram qui s'y connaît le mieux pour ce qui est de faire fonctionner le prix de Wen. Ah, vous voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je verrai ça dès que j'aurai le temps. Je crois que vous me confondez. Je ferai peut-être bien. Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais. Maxon me dit... Ah, je vois. C'est sans doute vous, la nouvelle recrue mentionnée dans le rapport du palais. En temps normal, je me serais fait un plaisir. Cependant, je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche. Et on... malheureusement, je ne dispose pas du... Je pourrais vous donner... Ce serait fort. En patrouillant dans le Commonwealth, essayez de trouver tout ce qui peut être du genre chez... Je suis en mesure de vous payer pour chaque liasse de... Et si vous souhaitez que je vous affecte à une patrouille de recherche... En tout cas, ça a été un plaisir. Je vous en prie, finissez d'abord de vous présenter à tout le monde. Et j'espère que vous aurez le temps de m'aider ensuite. Si ça tenait qu'à moi... Connétable. Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé ? Et je les enverrai tous dans l'espace. À quoi est-ce que vous vous attendez ? Nos dernières recrues en date étaient des habitants des terres désolées. Ils cherchaient juste un moyen d'échapper à leurs conditions. Mais vous... Bref... Comme vous êtes là pour me rencontrer. Je m'appelle Ingram, et cette charmante fosse pleine de graisse, si votre armure assistée est trop serrée à l'entrejambe, si le prix d'Ouen est sur le point de s'écraser... On dirait que vous n'avez pas le temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément... Pourtant, vous avez l'air de vous... C'est mieux que si je ne l'avais pas. Bref... Je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une arme. Bien. J'ai une T-60 plutôt correcte dans le hangar 3. Elle est à vous. Le servomoteur de la... Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas à... Et maintenant, si vous voulez bien m'ex... Salut, chevalier. Approchez, chevalier. J'ai beau être enfermé... Ça n'a pas l'air très con. Ça pourrait être... Vous êtes ici au dépôt de stockage, et comme vous l'avez sûrement dit, les hautes sphères m'ont collé ici pour que je puisse surveiller les... Si vous avez besoin de matériel avant de partir en mission... C'est bon à savoir. Heureux que vous soyez. Quand je dis aux nouvelles recrues qu'elles doivent acheter leur propre équipement, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cet afflux constant de capsules, je m'intéresse surtout aux armes. Mais du moment que... Bien. Bien sûr, si vous cherchez juste à vous faire quelques... J'ai toujours besoin... Vous avez besoin de capsules, et moi je veux que vous les dépensiez. Ça demande juste de faire un peu de travail. Et comme je suis coincé ici à m'occuper de ceux, quand vous aurez rencontré tous les types... En attendant, si vous avez besoin d'autre chose... Connétable. Approchez, chevalier. J'ai beau être enfermé dans cette maudite... Un cafard de 5 kg peut faire un régulateur de flottabilité. Oh, j'imagine 120.
Joli. Il vous faut quelque chose ? C'est un plaisir de vous aider à porter votre fardeau. Capteur de proximité dans le verre. Délai de réponse, 3 secondes. Je donnerai ma vie pour empêcher l'humanité de reproduire les erreurs qui ont conduit à l'apocalypse. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Pridwen, je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission. D'accord. Bien. Entrons. Regardez là-bas. C'est Fort Strong, un nid de super-mutants. Ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Ça me donne la nausée. Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fat Man. Je veux que vous alliez sur place, que vous éliminiez. C'est compris ? À quoi servent ces munitions ? Le lance-missile Fat Man est un élément essentiel de l'arsenal offensif de la confrérie. Il permet de lancer des charges nucléaires miniatures tout en restant. Une escouade entière armée de ces bijoux serait vide. Si vous avez un jour, ne le déployez, ça suffira. C'est comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'Institut tout de suite. La confrérie ne peut pas laisser un tel arsenal nucléaire dans les griffes de. C'est toujours un plaisir d'exterminer. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Prenez-le. Et allez montrer aux mutants de Force Strong que la.
Rompez. Aîné. Montez dans cet appareil, soldat. Je veux voir Force Strong nettoyer et les ogives sécurisées, mais plus vite que ça. Voilà une trouvaille intéressante. Et toujours importante. À moins que vous ayez envie de vous faire irradier, je vous conseille de rester à l'écart des goules sauvages. Au-dessus de l'aéroport, la confrérie peut frapper la ville à tout moment. J'aurais jamais dû manger ce râteau pas la broche. Excusez-moi. Dernier à avoir désobéi au capitaine Kells, certes, trouvé à gratter la roue. Sur la coque du Pridwen.